entreprise, les Jardins Auguerin, JAG. On est une entreprise de deuxième et troisième génération. On est spécialisé dans la production de radis, carottes et oignons au champ principalement. Depuis 2019, là, on a démarré un projet de radis biologique en serre. Notre projet consiste à quadrupler notre superficie cultivée, passant de 0,12 à 0,5 hectares de radis cultivés en serre biologique hors sol. L'idée, là, c'est d'agrandir notre offre, étant donné que la demande est très importante en ce moment-là. On a reçu beaucoup de soutien là, au niveau de la stratégie des serres. On a eu aussi de l'aide, du soutien de d'autres programmes connexes, dont le Prime Vert, dont l'initiative ministérielle Productivité végétale, et aussi le programme de transition énergétique Québec Éco-Performance. C'est un levier extraordinaire là, pour le démarrage de différentes productions, mais aussi pour accroître la production actuelle. Production de la Panterie Bio, c'est moi et ma femme qui sont actionnaires. Puis on a repris une ferme qui n'avait pas de relève. On a fait des nouvelles installations à Notre-Dame-de-Lourdes pour faire des plants de fines herbes, des plants de légumes sous la régie biologique. Puis on vend dans les centres jardins à travers le Québec. Ce qu'on a reçu, c'est une aide financière pour l'installation des structures. Ça nous a permis de nous mettre à la fine pointe, là, tu vois, en commençant, vu que c'était une nouvelle entreprise. Ça a été efficace. Là. On a travaillé main dans la main. Là. Les consommateurs aussi sont de plus en plus conscients de la qualité de nos produits d'ici, de l'importance de l'achat local. Ils demandent aussi d'avoir des produits qui respectent certaines normes au niveau du développement durable, entre autres là, pour des produits sans pesticides ou des produits biologiques. Notre projet, c'est un projet d'automatisation de la coupe du maïs sur épi. Ça se fait en usine. Jusqu'à aujourd'hui, on le faisait manuellement. Donc, c'est une quarantaine d'employés qui approvisionnaient les couteaux. Aujourd'hui, bien, on va faire ça tout automatisé. Du coup, 40 employés saisonniers qu'on faisait venir pour 2 mois, on n'aura plus besoin de faire venir ces employés. Nous avons obtenu un soutien de 1 500 000 $ sur un projet globalement d'un peu plus de 8 millions. Donc, c'était un soutien qui était nécessaire parce que vous comprendrez que la courte durée d'utilisation des robots faisait en sorte qu'il était très difficile de justifier le retour sur investissement. Maintenant, avec ce soutien additionnel, on a réussi à faire approuver le projet. C'est un projet qui nous permet, du coup, d'être plus productif, de faire plus de maïs pendant la saison, d'en cultiver plus auprès des producteurs et nous, d'en vendre plus et assurer, de cette façon, l'autonomie alimentaire du Québec.